Salut les abonnés, c'est Fan de Charbon, une nouvelle vidéo sur mon serveur Minecraft côté médiéval. Alors si toi aussi tu aimes le côté médiéval et que tu aimes mes vidéos, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit like et à t'abonner si le cœur t'en dit. Et je te dis tout de suite après l'intro du matou. Glou 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 glou. On va dire qu'il y a eu un petit changement, enfin un micro changement, c'est que j'avais oublié d'installer des puits. Bah oui, parce qu'il n'y avait pas de robinet, donc voilà. Donc j'ai ajouté des puits ici, voilà. Ça donne un petit puits côté ici, voilà, avec des petites lumières ici. Le petit puits, hop, ils viennent, et puis voilà. Et le puits fait 9 de profondeur, voilà. Et là, il éclaire un peu dans le fond. Voilà, on a l'eau ici, voilà. On monte, hop, ça monte. Il va récupérer avec le seau qui fait un peu chaudron, voilà. Voilà, enfin bref, le petit style de de mon puits. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du style de mon puits. Bon, maintenant, ici, vous avez vu dans le dernier épisode que j'avais bien avancé ici. J'avais été fait. Je vous avais dit que j'avais fait des cercles, que je devais faire certaines choses. Finalement, j'ai fait autre chose. Enfin bref, je vais te vous montrer. Donc, ici, on a une petite, une belle maison. Donc, celle-là, ce sera la maison numéro 1. Comme ça, vous pourrez donner une note pour chaque maison. Maison 1. Tiens, t'attaques sur 10. Maison 1, bah tiens, il manquerait ça. Maison 1, 2, il voudrait bien ça. Par exemple, là, il manque une fleur. Ça fait exprès. Par exemple, là, elle était déboisée. Donc, voilà la maison 1 vue de l'extérieur. Donc, voilà. De toute façon, j'ai tout vous montré, les abonnés. Ici, voilà. On va aller à l'intérieur. On est chez Léo et Elsa. Hop. Tac, ici. Voilà. Hop. Ici, donc, le rez-de-chaussée. Voilà où ils peuvent lire un petit livre et puis tout avec leur petit chien menthe. Tac, le deuxième, le toit, c'est on va dire la chambre. Oh, on va les laisser faire, voilà. On regarde pas, je vous ai pas regardé. Non. Là, ici, voilà. Pour regarder un peu par la fenêtre, on les regarde pas, par la fenêtre là. Voilà, bon, là, ils ont une petite vue un peu triste. Et leur petit chat poivre, on vous laisse un. Pas la peine de me regarder, je vous laisse, c'est bon. Et arrêtez de me regarder. Voilà. Non, tu m'as pas vu. Non. Tu dégages. Ah non, c'est bon, je me sauve. Et là, le sous-sol qui est consacré à la cuisine avec ici une petite cheminée, une petite fenêtre derrière la cheminée qui donne un petit côté sympathique. Donc, ils peuvent manger là, cuisiner là. Voilà, bon, on va laisser parce que je sens que je vais me faire chasser sinon. Prochaine maison, je te crée. Vous n'en faites pas. Voilà, donc pas la maison. Ah, ce bâtiment-là, c'est un bâtiment, c'est à part. Je vous montrerai ça là après. Donc, voici la maison 2. Vue d'extérieur, la maison 2. Tac, attendez, j'ai essayé de vous montrer. Voilà. Attendez, j'ai essayé de vous montrer. Hop, sans vous montrer les autres maisons, forcément. Oui, il y a des puits partout, évidemment. Hein, parce que, voilà, à l'époque, il n'y avait pas de robinet. Donc, on peut voir d'ailleurs une cheminée pareille. Donc, ça, c'est la maison numéro 2. Donc, voilà. On est chez. Ah oui, j'ai oublié de mettre la pancarte. On est chez. Oh, punaise, je vais mettre une note. Voilà. Donc, je vous laisse deviner de qui ça vient. Hein. Voilà, on a leur petit chien, petit Papa Noël. Donc, je pense que là, il n'y a plus aucun doute. Hein. Un petit jardin. Voilà, on va refermer la porte par ailleurs. J'ai oublié de frapper, attendez. La porte, prends-la. C'est une porte, ça? Je ressors et je rentre, attendez. J'entre. Hop, voilà, c'est mieux. Ici, donc, on arrive au premier, voilà, qui est consacré à la lecture. Ici, ils peuvent s'installer là pour lire un petit livre, enfin... Madame plus, hein. Et à l'étage, on a Marge. Bonjour Marge, hello mère. Quelle question. Question con. Et là, on a Bol de Neige 2 qui est leur chat. Voilà. Et ici, on a, pas pareil, un petit grenier. Ici, on a un petit grenier qui est, voilà, pour leur bazar et puis tout, hein. N'hésitez pas à me donner une note. N'hésitez pas à me dire la maison 2. De quoi est-ce que ça vient, Marge et... Est-ce que tu viens de décaler? Allez, pousse, je descends. Je descends, allez, pousse ton derche, allez, je tape pas les femmes, pousse ton cul. Et je descends. Merci de me laisser passer. Oh, et pas possible ça. De Dieu, le créneau de Dieu, de Dieu. Oh, douille. Voilà, ça c'est fait. Hop. Tac, donc je vais vous faire visiter maintenant. Attendez, celle-là, c'est mon manoir. Je vous l'ai fait visiter dans l'épisode précédent. Voilà, la maison 3. On va rire sur le nom d'ailleurs. La maison 3. Donc voilà, vue du haut. Voilà, ici. Tac, ici. Voilà, vue du jardin. Hop, ce bâtiment après. Donc la maison 3, ici.
tac ici. Et c'est pour ça me dire des fois des clins d'œil que vous connaissez. Voilà, attendez, je vous fais avant l'extérieur. Hein. Et voilà ce petit côté-ci. On va maintenant placer. On va passer à l'intérieur. On est chez Michel et Jackie. Il n'y a pas de truc. Leur chien amour, voilà, petit couet cuisine où on peut préparer à manger. Petite cheminée ici, il peut s'installer ici pour manger. Voilà, le jardin, on va aller le visiter, ici. Voilà, jardin plutôt sympathique, hein, il est vrai. Hein. Ah, j'ai oublié de toquer. Attendez, je rentre et je sais comme si je toquais. Voilà. Hop, on arrive là, il y a Michel. Michel, putain, merci. Tu vas où là? Ah bah, je vais dans ta chambre pour visiter la chambre. Voilà la chambre de Michel et Jackie. Hein. Là, on a leur petit chat. Là, on a Jackie. Et puis, voilà. Enfin, bref, on m'a très bien compris. Petit coin lecture ici. Hein. Hop, oui, bon, il y a un zombie noyé quelque part. Je le zigoulerai plus tard. C'est pas gênant. Là, voilà. Petit balcon. Ils peuvent admirer la vue sur la... Saloperie. Sur la ferme et puis tout. Bon, désolé, mais j'emprunte un lit à vous. Attention. J'entre, pas de galipette, hop, allez, je te prends ton lit, désolé, mais voilà. Ah, désolé, mais moi, j'aime pas les saloperies, rien. Est-ce que vous aimez bien, d'ailleurs, les fantômes? Parce que quand on construit, ils sont casse-bonbons. Hein. Voilà, allez, crevez, bande de chacal puant. Mais on dit un chacal ou des chacos? Chacal, vous allez tous crever comme des chacals. Mais ça faisait deux fois chacal. Vous dites des chacos? Bonne question. Est-ce qu'on dit un chacal ou des chacos? Donc, hop, voilà, on va vous faire visiter maintenant la quatrième maison, c'est une petite maison, hein. Vraiment la quatrième, c'est pour un célibataire chez Maxime, voilà, vous allez comprendre pourquoi, c'est une petite maison, donc là, rez-de-chaussée, voilà, petit jardin, voilà, hop, ah, il y a un marchand, tiens. Et là, ici, on a le, bah, notre très cher Maxime avec Pringles, le nom du chat, voilà. Le chat est original. Le nom du chat, je le trouve original, Pringles. Donc, maison 4, c'est fait. Qu'est-ce que t'as proposé, toi? Rien de bien florissant. Désolé, mais j'ai besoin de ta tête. Nique ta mère! Va niquer ta mère. Mais va te faire foutre! Bâtard, connard! Sac à merde! Oh, tu me craches dessus, là, mais... Putain! Puis je danse sur ta tombe. Voilà. attendez, j'en étais à la maison. Attendez. Donc, Michel, Maxime, maison 4. Donc là, ce sera la maison 5. Oui, c'est ça. Maison 5 ici, voilà. Elle a pas de pancarte exprès. Parce que j'ai oublié dans mes thunes, enfin. On n'ira pas ça. Maison 5 ici. Hop. Ici, voilà. Donc là, belle petite coin cuisine où elle peut s'installer pour manger, la personne. Grand jardinier. Voilà, c'est vrai que son jardin à cette personne est grand. Voilà. Tac, donc on se rappellera maison 5, évidemment. Là, et là, le toilet du premier étage qui constitue la maison ici. Et donc, le personnage, c'est Dr. Janelle Frazier. Donc, ça vient de quelle série? Ah ah. C'est qui me le dit? Ah, il est bon. Nous avons ici Fraise. En plus, celui qui trouve, allez, celui qui trouve le nom. Le premier qui trouve d'où ça vient, ce nom-là, Dr. Janelle Frazier, eh bien... Il aura sa maison dans le prochain épisode. C'est-à-dire que dans le prochain épisode, quand j'aurai créé évidemment une nouvelle maison, eh bien, il aura un nom pour lui. Et là, ici, mur. Voilà. Donc, n'oubliez pas, maison 5, ça vient de qui? Hop. On va sortir par là. Tac. Maintenant, on va passer au bâtiment à la fin. Je vais faire visiter vraiment les bâtiments à la fin. Ben, je sais que c'est le principal, mais justement, ça vous donne envie comme ça de regarder. Ouh, il y a beaucoup de choses. Là-bas, il nous reste deux autres petites maisonnettes, et puis voilà. Donc oui, ici, j'avais dit que de base, je devais mettre ici une brasserie, donc un bar. Mais au vu de l'espace que a pris finalement toute ma zone pour ma ferme animaux, bah, j'ai pas la place. J'ai calculé, je n'avais pas la place au vu de tout ce que je voulais faire. Donc je le ferai dans la ville host, ce n'est pas grave. Donc ici, nous avons chez Leonard Snart. De quoi est-ce que ça vient, Leonard Snart? N'hésitez pas à le dire, maison 6. Allez, voilà, maison 6. Hop, donc là, voilà. Donc, lui, notre ami Léo, hop, ici, petit coin, bah, cuisine. Bah, c'est une maison pour un célibataire, hein. Ici, hop, il prépare à manger, il mange ici, voilà. Hop, il veut prendre l'air, il a son petit jardinier, voilà. Hop, on ressort, hop, voilà. Et
On a... Ah, c'est vrai que j'oublie de frapper à chaque fois. C'est pas grave. Et là, hop, on a le premier étage avec son chat micro-risque. Voilà. Donc là, ça vous donne encore un indice de quoi ça vient. Et la maison 7, on n'oubliera pas de frapper avant d'entrer. On est chez Claude. Attends, il va pas m'entendre sinon. Voilà. Ah, c'est bon, j'ai entendu. Donc ici, petit rez-de-chaussée, voilà où il peut préparer ce petit repas. Petit jardin où il n'y a pas de fleuve de feuilles exprès. Lui, c'est comme s'il avait tondu son jardin. Salut. Tu me rentres pas dedans là. Allez, retourne chez ta mère. Retourne chez ta mère. Ça, retourne chez ta mère. Allez, casse-toi. Allez, allez, Nardine bébête, Nardine Namo, que tu montes la autre du cul, je veux pas te rentrer dedans. Allez. Hop. Voilà. Trop du cul de bonobo de s'y raté. Et ici, nous avons son chien, son chien. Allez, au revoir, je mérite plus. Son chien, alors c'est un chat. Bah oui, hein, fraise. Hein, c'est un beau chat, voilà. Petit bisou. Ouais, je sais, c'est pas un chien, c'est un chat. Mais bon. Qu'est-ce que vous voulez, Fanny, les fous? Voilà, et donc maintenant, on va passer aux deux bâtiments qui nous intéressent. Donc, c'est-à-dire la grange. La grange et... la ferme à animaux, c'est ce que c'est du... De fait, la vidéo, quand même, le titre de la vidéo, bah, c'est ça qui est là, quoi. Il visite de la ferme, il visite pas la ferme. Donc là, on est chez Arthur et Julie et leur fils Thomas. Voilà. Voilà. Donc ici, on a un petit chat, paf. Et d'ailleurs, le chat, il devrait être dedans, au chaud, à l'abri. Je sais pas, qu'est-ce que tu fous dehors, toi? Assis. Voilà. Et maintenant, tu rentres dedans. Allez. Voilà. Allez. Voilà, donc ici, ils ont une petite zone de travail, voilà. Quelques petites zones de stockage, par exemple, qu'ils veulent stocker bah, de la viande et puis tout. Nous avons donc Arthur qui nous propose, lui, des poulets et puis tout, qu'un, voilà, de la viande. Nous avons ici Julie qui propose pareil, mais différent. Donc, nous avons deux bouchers et nous avons donc un berger, Thomas. Voilà, c'est le seul, d'ailleurs, qui est berger. Ok, donc, nous, ici, j'ai fermé là, mais nous avons ici des petites zones de stockage ici, voilà, qui... Hop, qui permet d'habiller. C'est la même chose en face, hein. Donc voilà, habillé ici. Tiens. Voilà, d'ailleurs, ça va pas s'appeler ici, ça. J'avais oublié que j'avais modifié un truc. Il y a une petite cheminée ici qui monte et on a leur, on va dire, leur lieu de vie qui est en sous-sol. Oui, c'est une des rares maisons, d'ailleurs, à avoir un sous-sol. Je crois que d'ailleurs, c'est la. Bah, c'est la seule, d'ailleurs, à avoir officiellement un sous-sol. Parce que les autres, c'est des sous-sols, mais pour mes usines. Là, c'est la seule baladure, la première maison qui a un sous-sol. Et nous avons Pif. Donc nous avions Pafo haut et Pif ici. La petite chambre de 1, petite chambre de 2. Voilà, donc je suis à la maison. Bah, la dernière, je sais plus la combienième. N'hésitez pas à me dire à la combienième j'en suis. Enfin, c'est pas une maison, c'est plus un bâtiment. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'extérieur bah, de ma ferme à bestiaux. Vous allez comprendre pourquoi je dis bestiaux. Voilà l'extérieur. Tac, ici. Et donc, ici, voilà, on arrive chez, les, bah, chez nos amis vaches et puis tout. Donc, comment est fait? Bah, ils sont tous faits pareil. Ceci, ce sont des feux, là, voilà, des... Enfin, des feux, des... Des feux de camp, voilà, qui sont éteints. Et nous avons un sol qui est composé, bah, de chemins, de terre stérile et d'herbe. Voilà, donc, quelques blocs de paille pour les vaches. Et nous avons ici un plan d'eau qui... Et voilà, voilà. Donc là, un abreuvoir, ils viennent, glou-glou, ils boivent, hop. Et puis, une fois qu'ils ont plus soif, ils repartent. Poussez-vous, les marguerites. Et j'ai aussi un clapier à lapin. Voilà, une zone à clapins. Donc là, les moutons que je tonds souvent parce que j'ai prévu un gros truc. Mais alors, un immense truc. Et voilà, ici, les clapiers à lapins. Bon, les lapins, ils sauvent à chaque fois. Donc regardez là. Donc voilà pour la belle, enfin, je veux dire la belle grange. Non, c'est plus une ferme. Voilà, avec leur. Au rez-de-chaussée, tout ce qui est travail, en sous-sol, leur zone de repos. Bon, évidemment, juste la zone là n'est pas finie parce qu'elle va correspondre avec, évidemment, bah. Les chemins ici. Donc voilà. Et donc la grange ici. Voilà ma belle grange. Celle-là, vraiment, j'en suis fier parce qu'elle est grande. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, tout ce qui est viande, tout ce qui est viande est au rez-de-chaussée. Donc tout ce qui est viande cuite est par ici. Tout ce qui est viande crue, c'est par là. Là, par exemple, il y a de la viande de mouton. Bah, de l'autre côté, c'est de la viande de mouton cuite, évidemment. Mouton, mouton, voilà. Là, le bœuf. Donc tout ce qui est pancarte ici, je veux dire, c'est plein. Voilà. C'est plein. C'est plein. Je vous laisse calculer combien il y en a de plein. Donc 1, 2, ta, 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 ici. Et là, quasiment plein. Voilà. On vous laisse calculer si vous avez envie, mais... Donc là, tout ce qui est viande, donc là, c'est des coffres de décoration, donc qui sont vides.
au premier étage, j'ai ici des escaliers. Je vais vous montrer pourquoi ici, d'ailleurs, ça doit être fermé. Donc ici, on a tout ce qui est item lié aux bestiaux. Par exemple, bah, les œufs, les plumes, les pattes de lapin, les peaux de lapin, le cuir, la laine blanche qui est ici. Et vous allez me dire, bah, elle est où ta laine de couleur, Fan, quand on a besoin? Parce que oui, pour le moment, j'ai que des moutons blancs. Mais quand j'ai besoin, bah, j'ai juste à teindre un mouton en noir ou en gris. Comme d'ailleurs, j'avais fait un moment que j'en avais besoin. Et c'est ici, en fait, tout ce qui est laine de couleur, c'est là-haut. Au deuxième étage, laine grise, par exemple, ici. Attendez, là, voilà. La laine gris clair, ici, voilà. La laine gris clair, en fait, voilà, c'est trié par couleur, voilà. Donc, vu que j'ai beaucoup plus besoin de laine blanche que de laine gris et noire pour l'instant, bah, pour le moment, ça restera comme ceci. Hop, on ressort. Et là, ici, une petite grue qui permet de monter, de descendre aux étages supérieurs. Et puis, bah, voilà. Donc, j'espère que la vidéo bah, vous a plu. N'hésitez pas à me donner une petite note sur chaque maison. Ça me fera un grand plaisir. Et dans le prochain épisode, bah, je pense que ici, déjà, tout le sol là, ici, sera remplacé par ça. Il y aura les lampadaires, il y aura les arbres. Enfin, bref. Et je vous ferai peut-être un timelapse dans la prochaine, donc d'ici 4-5 jours. Une fois que tout le reste, enfin, la ville basse ici. Ça, en fait, qu'est-ce que j'appelle ville basse aussi, on va dire. Juste avant de clore, on va clore sur... Alors, qu'est-ce que j'appelle ville basse et ville haute? La ville basse, tout bêtement, en fait, c'est cette ville-là. La ville haute, bah, ça va être en hauteur, va être située au-dessus. Donc, comment on y accède? Bah, il y a des escaliers ici, voilà. Enfin, bref, vous voyez, il y a des fois des petites zones où on peut accéder à la ville haute. Et pour le moment, bah, vous allez voir, c'est un peu vite comme la cervelle à badass. Moi, non, j'ai rien dit. Voilà, ici, voilà, vous voyez, après, juste à scalper toute la glace ici, et puis voilà. Et après, juste ajouter ici beaucoup de bâtiments. Ici, il y aura encore une belle surprise et puis tout. Donc, bah voilà, on peut voir quand même que ça a bien avancé, hein, parce que mine de rien, c'est du boulot tout ça. Donc voilà, ici, vous voyez, c'est encore un travaux, il faut encore que je mette l'herbe et puis tout. Vraiment, il y a encore quelques petites finitions ici, mais dans l'ensemble, voilà, tout ce qui est maison, on va dire que pour la vie de basse, il n'y en aura plus. Il n'y aura même plus depuis. Par exemple, il y en a ici un. Il n'y en avait pas qui est en face, on peut dire, de la mine. Voilà, j'ai rajouté quelques puits à quelques petites zones, mais voilà. Non, il n'y a pas eu d'autres modifs. Voilà, un autre puits. Un autre style ici, il y a des petites trappes, mais des fois, j'en mets ou j'en mets pas. Après, voilà, c'est juste pour donner un petit côté moins photocopie. Voilà. Donc, bah. Ok, c'est moi. Ok, bon, je cherche pas à comprendre. Ok. Bah, voilà, ma foi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de... Pas bah, de... Qu'est-ce qu'il fout, ce chat, ici? Eh, Jean-Claude, ramène ton cul. Donc, n'hésitez pas à me donner une petite, votre impression sur la construction de ce média, parce que c'est vrai que c'est très long. Surtout, c'est que c'est, ça demande beaucoup de time. Hein. Et puis, bah, moi, je vous dis... Oh, plus les abonnés!